The President, please be seated. The court is now back in session. Le président. We would like to now hand over to counsel for Mr. Kyu Sung-Pon to continue putting questions qui pourra continuer à interroger ce témoin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, thank you, President. En janvier dernier, alors Mr. que vous étiez déjà à cette barre, vous avez été interrogé sur les communications au sein de l'armée avant la victoire, avant la prise de Phnom Penh. Prior to the seizure et vous aviez alors expliqué que vous receviez vos ordres militaires, parfois par radio, parfois par messager. Sometimes by messenger. Et en ce qui concerne la radio, vous aviez déclaré qu'il y avait souvent des problèmes qui étaient liés à ce type de communication. Et vous avez expliqué que pour cette raison, chaque unité devait être capable d'une certaine autonomie. Je vous cite, c'est la page 52 de la version française, et c'est entre 11h35 et 11h40. Vous avez dit une compagnie devait prendre ses propres décisions et gérer ses propres forces pour garder la situation sous contrôle. Est-ce que vous vous souvenez de cette explication sur la nécessité d'une certaine autonomie? With regard to why each unit had to enjoy a degree of autonomy. Response. Can you please repeat the question? Pourriez-vous répéter la question? I'm afraid I don't quite understand it. Je n'ai pas bien compris. Je vais faire très simple. Je vais vous lire juste quatre lignes de ce que vous avez dit en janvier dernier. The four lines of what was transcribed on the 11th of January. Pendant les combats, la communication était difficile et prenait du temps. Communications were difficult and often took time. Il y avait en effet des problèmes liés à la communication par radio. Quite frequently, there were parfois, problems occasioned by radio use, and sometimes the messages came too late. Parfois, il était trop tard pour pouvoir s'occuper des blessés. It was too late to care for the wounded. Un petit peu plus loin, vous dites, and further on, you state, chaque petite unité, comme une escouade, un peloton, une compagnie, devait prendre ses propres décisions, gérer ses propres forces pour garder la situation sous contrôle. Fin de la citation. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration que vous avez faite en janvier? Response. Yes, I do, partly. Oui, partiellement. I already stated like that. C'est ce que j'ai déjà déclaré. Dans cette description, vous faites état de difficultés de communication et ma question porte maintenant sur la période qui a suivi la victoire. And my question now pas la période pendant laquelle vous êtes à Phnom Penh, mais victory, la période pendant laquelle vous serez affecté dans le Ratanakiri. The fall of Phnom Penh, je voudrais the time que that vous you me décriviez, so si pendant cette période, period, votre unité a connu une amélioration des communications ou si la situation était toujours aussi difficile lorsque vous étiez en poste dans le Ratanakiri. Est-ce que vous pouvez donner davantage de détails? Est-ce qu'il y a une différence à faire entre les deux périodes? Quo remain? Can you please provide some details on that particular period? Response. At the beginning,
communication was not adequate. Later on, la communication n'était pas suffisamment bonne. This didn't improve very much because par la suite, les choses radio communication was frustrating. La communication par radio était frustrante. The messages on time. Impossible de communiquer nos messages à temps. Et les choses sont restées inchangées pendant un certain temps. En janvier dernier, vous avez également été interrogé sur la manière dont vous aviez rejoint votre nouvelle affectation dans le Ratanakiri à la fin de l'année 1976. Vous avez fait une déclaration qui, moi, m'a un petit peu surpris. Vous avez dit « Je suis allé à vélo ». Est-ce que vous confirmez être allé rejoindre votre poste fin 75, bien sûr. Est-ce que vous confirmez avoir rejoint votre poste dans le Ratanakiri à bicyclette? It was in 1975 that you were assigned to Ratanakiri and you traveled to your new location by bicycle. Response. Yes, it is correct. We left Phnom Penh by nous avons boat, quitté Phnom Penh and par we bateau. Got off the boat at nous sommes descendus Kratches du bateau province. Dans la province then de Kratche. We continue our ensuite, journey nous avons poursuivi le voyage on bicycle à vélo. And it took us 2 to 3 days cela before we reached nous a pris our destination. 3 jours pour arriver à notre destination. Et le reste des hommes qui étaient sous vos ordres à voyager également à bicyclette, comment se sont command, comment s'est déplacée votre unité? Est-ce que tout le monde s'est déplacé how à bicyclette ou est-ce que c'était un traitement de faveur de disposer d'un vélo? How did they travel there or was the means of bicycle transportation a preferential mode of transportation? Response. A lot of people were riding the bicycles, beaucoup de gens but not all. Roulaient some un vélo, also mais pas tout le monde. Took the car. Certains and ont pris there were des several voitures. Hundred people who were il y seen avait riding plusieurs the bicycles de personnes on this long qui stretch ont of roulé journey. Un vélo sur ce long tronçon. Et vous qui étiez commandant adjoint, pourquoi n'avez-vous pas fait ce trajet en voiture ou en camion militaire? You were unable to travel by car or by military truck? Response. Yes, I was in charge of the regiment, j'étais but we were equal anyway. The soldiers were riding bicycle, and I had to blend in. Les soldats roulaient à vélo, with soldiers, et je devais faire corps and it was my avec personal les commitment. Though I had to take c'était un engagement the bicycle personnel pour rather moi. Than je trouvais que je devais the car, prendre and the road was not very un vélo plutôt good, qu'une voiture. It was good for cela bicycle. Étant, la route n'était guère approprié pour se déplacer en voiture, mais bien pour rouler à vélo. Je vous remercie. Thank you. Vous avez été interrogé à plusieurs reprises pendant on several occasions, vos rencontres avec les enquêteurs du tribunal et puis à cette barre during your interviews with the investigators from this tribunal and even before this chamber, que l'on vous avait donné you à l'époque, were spoken bien to sûr, about the reasons given to you l'évacuation de Phnom Penh. At the time, with respect to the evacuation of et Phnom Penh, vous aviez peu varié dans vos explications, vous avez été assez clair, notamment en page 63 de la version française, fact, à 13h42, vous déclarez, PM, sur la base de l'expérience, je peux dire que quand une zone était conquise, le plan était toujours de l'évacuer pour éviter que de nouveaux combats n'explosent dans les zones nouvellement conquises.
emergence or explosion of new combat in et the puis, conquered zone. Plus loin, and further on, à 13h43 minutes, vous parlez plus précisément de l'évacuation de Phnom Penh. You talk specifically about the evacuation vous dites of que Phnom Penh. Là aussi, on vous a donné la même instruction de faire évacuer la ville. In that instance, you were et the same vous avez expliqué, je cite, même si l'ennemi avait été vaincu, quote, il existait encore certaines defeated, poches ici et là. Still some pockets of enemies et puis vous dites aussi there. Quelque chose, et c'est là-dessus que je voudrais vous poser une you question. Je cite, quand nous avons pris le contrôle de Phnom Penh, nous ne sommes pas vraiment restés droits. Nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Nous avions peur que nos troupes ne soient attaquées par les vestiges de l'armée vaincue. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails d'abord sur cette expression, peut-être qu'il y a là, c'est un problème de traduction, mais en français, on nous dit « nous ne sommes pas restés droits ». Nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Statement et in that particular choice of words by saying that we didn't remain straight. Que vous aviez à l'époque d'une réaction and des that vestiges at the time, de l'armée vaincue. You had some apprehensions or you were fearful of some attacks launched by the defeated army. The President, International Co-Prosecutor, you may now proceed. La parole est au Co-procureur international. Merci, ce n'est pas une objection, Monsieur le Président, thank mais you. J'ai l'impression que Maître Verken doit disposer de la version non révisée de la transcription, vu que les numéros de page qu'il donne ne correspondent pas tout à fait à la dernière version. Et dans la dernière version, la situation est la suivante. Quand nous avons pris contrôle de la situation, nous ne sommes pas restés au même endroit. Et non pas nous ne sommes pas restés droits. Et ensuite, nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Nous avions peur que nos troupes ne soient attaquées draft, par les vestiges de l'armée vaincue. Donc j'ai l'impression qu'il s'agit d'une différence de version entre la version non finale et la version finale de la transcription de l'audience du 11 janvier. Version, which is the draft version, and, merci, Monsieur le Procureur, pour cette précision qui effectivement clarifie l'expression. Thank you very much, Mr. Prosecutor, Monsieur le témoin, which does indeed je voudrais clarify, quand même vous demander si, selon vous, can you tell us il if, était in your opinion, envisageable, possible, comme vous le craignez, d'après ce que vous avez dit à l'époque, possible, que vos troupes soient encore attaquées stated, par les vestiges de l'armée vaincue. To be attacked by any remnants of the defeated army. Response. Yes, I agree with the statement. Effectivement. Because it was part of the tactics in the war, and cela we faisait partie de la were tactique located en temps de in guerre. The city. The environment was dans la not ville. As that in the countryside. L'environnement était différent. We employed the same war tactics to ensure that our troops nous are fully secured, and this is the way we de guerre visant have à assurer la sécurité done. De nos troupes, et c'est ainsi que nous avons fait. Apparemment, d'après vos déclarations, cette crainte perdure, now, y compris après la victoire, puisque remained, un petit peu plus loin, victory, entre 13h46 et 13h49 de votre audition du 11 janvier devant cette chambre, vous avez expliqué que, après la victoire, votre unité PM était chargée 11th, de garder le ministère de la propagande et que vous faisiez des rondes dans la ville de Phnom Penh pour garder ce ministère et pour prévenir une attaque, c'est exact. To advise the ministry of any imminent or possible attack. Is this correct? But response. Yes, it is. Effectivement. Avant la prise de Phnom Penh,
And before à l'époque où l'on vous a expliqué, ou vos supérieurs hiérarchiques vous ont expliqué la manière dont il allait falloir procéder une fois que la victoire serait remportée, et au moment où vos supérieurs vous ont donné pour instruction de faire évacuer la ville, est-ce que les motivations qui vous ont été indiquées à ce moment-là étaient uniquement des motivations de stratégie militaire, comme celle que vous venez de donner à l'instant? Est-ce qu'il y avait d'autres motivations? Were there any other reasons that were disclosed to you at the time? Practically, that was part of the military sur tactic. Le plan pratique, it was decided cela correspondait à une within the military militaire and fixée dans les rangs I de l'armée. I have no knowledge of whether people had been allowed to return to their home. Je ne sais pas si les gens because avaient été as a soldier, as a eux, person in charge of the regiment, I had to ensure that the vicinity was free of je civilians. M'assurer qu'il n'y avait pas de civils dans les environs. Est-ce qu'à un quelconque moment, vos supérieurs hiérarchiques vous ont expliqué que cette évacuation de la ville était justifié par une nécessité de punir les citadins? By a need to punish city dwellers. Response. I am not quite familiar with such assertion, and we had never known je if that was part of de tel. A sanction or on ne nous the a jamais dit punishment qu'il s'agissait là d'une punition to be inflicted onto the people. À infliger no, à la that's population. Not my knowledge. Non, je ne suis au courant de rien de tel. Je voudrais vous poser quelques petites questions sur cette cérémonie you a few brief questions. À laquelle vous avez indiqué avoir assisté au stade olympique et au Olympic cours de laquelle stadium, a été annoncée la création de la division 801 et de deux autres divisions. D'abord, question très simple qui vous a déjà été posée plusieurs fois, mais je voudrais vous la reposer. Forward question that you've already been vous asked êtes capable and that de I nous will situer repeat dans le temps, de nous dire le mois just situate us in de l'année 1975 chronological terms. Au cours de laquelle cette réunion a eu lieu. When in 1975 did that particular meeting occur? Response. I don't remember the exact month. Je ne me souviens pas du mois précisément. But indeed, it was in 2005, says the witness, mais c'était en because it 2005. Was part of the announcements that the military car had to be established and how the military would be organized. La façon dont les forces armées allaient être organisées. Juste une précision pour les transcrits, on nous a dit. Just a clarification, alors, monsieur, sir, je vous demande de ne pas lire ce que vous avez devant les yeux, parce que pour l'instant, je ne vous ai pas soumis de document. Donc, soyez gentil de ne pas consulter de document. Monsieur. Sir, please, do not read the document before you. Merci. On nous a dit thank 2005 en français. Now, what I heard was 2005. 1975, probablement, j'imagine. That was a misstatement. I'm sure you meant 1975. Is that correct? Response. Yes, that's what I was referring to. Effectivement. It was 1975. 1975. Merci. Vous venez de dire que thank you. Cette cérémonie concernait la réorganisation that de l'armée. The ceremony
dealt with the reorganization of Combien the army. Combien de temps a duré cette cérémonie? Plusieurs jours, plusieurs How long heures? Did the ceremony last? Plus précis sur la durée de la cérémonie days? En question. Can you please be specific about the duration of the ceremony and of that meeting? I don't remember this very well. Je ne m'en souviens pas bien. I don't remember the duration. Je ne sais plus combien de temps. But I remember that the event took place the whole day. Mais je me souviens que cela a pris toute une journée. Est-ce que la création de la division 801 et des deux autres divisions qui ont été créées à ce moment-là, c'était une décision importante. Et si oui, est-ce que vous pouvez expliquer significant pourquoi? Decision. And if so, can you please tell us why? Response. These three divisions were the important Ces trois divisions to étaient des be divisions monitoring importantes. Phnom Penh. Car And elles devaient the other three contrôler Phnom Penh. Military sections were also combined. Trois unités militaires ont également été fusionnées. These include divisions 801, la division 703, 801, la division and 703 605. Et la division 605. Lors de cette cérémonie, est-ce que vous pouvez dire qui a annoncé cette création? Vous avez parlé de plusieurs dirigeants, vous avez dit précis, vous avez bien avait 21. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel de ces 21 dirigeants a annoncé aux milliers de personnes dont vous nous dites qu'ils étaient là, la création de ces divisions? Response. Only the commanders and the general commanders Seul of the army et les chefs would be the ones who announced the establishment of these divisions. De ces divisions. I was at that time rather young to know the detail trop jeune of this, pour but I believe that these people were senior officials je crois que ces gens in the army, officers in the army. Des hauts gradés de l'armée. J'ai pas bien compris votre réponse. I'm not sure Pourquoi I entirely understood your answer. Why did you say that you were too young? Que vous ne vous souvenez pas du nom de ceux qui ont annoncé cette création, Are you saying that you don't recall the names of those who announced the establishment of the divisions? Could you please clarify? Response. I don't remember the general commander who made such announcement. It could either be Chut Kyun or Son Sen. Ou encore Son Sen. Ce matin, ou plutôt en janvier 2013, lorsque vous étiez à cette barre devant In ce tribunal, 2013, when you took the stand Monsieur le procureur, this vous chamber, avez montré un exemplaire de l'étendard révolutionnaire
gave you a copy sur lequel il vous avait interrogé. Of an issue vous souvenez, of the revolutionary flag. He then asked you a series of questions on that document. Do you recall this? Response. No, I don't. Non. Alors, je vais vous donner quelques précisions pour voir si cela vous rafraîchit la mémoire. Le procureur vous avait montré un exemplaire de l'étendard révolutionnaire qui parlait d'une cérémonie qui s'était tenue au Stade Olympique le 22 juillet 1975. Dont s'était fait l'écho cette revue. Les sujets abordés lors de cette cérémonie concernaient l'armée. Some of the matters vous vous souvenez raised de, des questions qui vous avaient été posées meeting, à ce moment-là par le procureur? Was the army. Do you recall this question being put to you by the co-prosecutor? Response. I think that rings the bell. And, cela me dit quelque chose. The reason I did not really respond to the question because this event happened a very si long time répondu, ago, c'est parce que ces and I could not risk bien telling longtemps. Things that I'm not quite sure. Et j'ai voulu éviter de m'exprimer par crainte de dire des choses dont je ne suis pas certain. Et vous avez raison. And you are right, in fact. Tout à l'heure, lorsque mon frère pour Nguyen Chia vous a parlé de l'étendard révolutionnaire, vous avez expliqué qu'avant de recevoir cette revue, vous en aviez reçu deux. Vous vous souvenez de cette réponse? Do you remember that answer? Vous en aviez eu en main deux. You had two of them in your possession. Bye. Response. Yes, I do. Effectivement. Est-ce que parmi ces deux exemplaires de l'étendard révolutionnaire que vous avez eu en main avant d'y être abonné, il était question de la cérémonie sur la création de la division 801 à laquelle vous aviez assisté? Est-ce que vous vous souvenez de ce détail? Do you remember this detail or not? Response. It's stated in the revolutionary the magazines the detail of the event. Les détails, but I just l'événement. Cannot remember. It was there in the paper, but because of lack of interest, I don't think I still remember all these details. Manque d'intérêt, je and ne pense pas me souvenir des détails. That's all. Et c'est tout. Je vous remercie. Thank you. Et dans le magazine que vous aviez eu and en main à in l'époque, the copy you had, il était donc. Question de la création de nouvelles divisions, c'est exact. Of the creation of your division, is that so? Batman. Response. Yes. Oui. Tout à l'heure, lorsque la défense de M. Nguyen Chia vous a interrogé à propos de cette réunion, meeting, et notamment sur les raisons pour lesquelles vous vous souveniez du nombre de 21 dirigeants hauts dirigeants assistant à cette cérémonie, vous avez tout d'un coup parlé d'un programme écrit. Then you start suddenly speaking about a written program. Et moi, j'ai cru comprendre I de votre réponse, from your answer, mais
Nous sommes sujets parfois à des aléas dus à la succession des traductions, et je voudrais vous demander de clarifier. J'ai cru comprendre que vous expliquiez que si vous vous souvenez de ce chiffre de 21, c'est que vous aviez compté 21 dirigeants sur ce programme écrit. C'est bien ça que vous vouliez dire? 21 leaders in this written program. Is that what you were trying to tell us? Yes, I did read the program oui, j'ai lu of the conference. De cette conférence. Et quand vous aviez été interrogé préalablement en 2009 et 2010 à quatre reprises par les enquêteurs du tribunal, vous n'aviez jamais parlé de ce programme. You never spoke about est-ce qu'il y a program. Une raison so à ça? Is there a reason why? I do not quite understand what you are really asking me je now. Je ne comprends pas le véritable sens I, de votre I question. I do not really understand it. Je ne vois pas ce que vous me demandez. Je vais la répéter, monsieur. I will repeat the question, therefore. Je crois que ce matin, c'était this la première morning, fois I believe, was the first que vous parliez de l'existence you were speaking about the d'un papier, d'un document, of a document, d'un programme of a program écrit that was qui aurait été distribué aux participants to the participants à cette réunion. In this meeting. Car après vérification because et relecture des quatre dépositions however, que vous avez signées en 2009 et 2010, 2010, après vos entretiens avec les that enquêteurs, say, after you were je n'ai pas vu que vous ayez parlé d'un tel programme. I did not see that you spoke about such a program, si so I'm therefore asking you c'est un souvenir qui vous est revenu subitement, this is something you suddenly remembered, and why didn't you speak about this program before the OCIJ? As I testified earlier, I do not recall comme je l'ai dit plus tôt, the past event very well. I did not have any documentation with me. I only try to recall the truth so that it is conducive to ascertaining the truth because I know that the court would like to hear the truth. However, I cannot recall everything. I can only recall some of the events, and when I respond to your question, sometimes I could not provide a complete detail of the event. Je comprends très bien, monsieur, et c'est tout à fait naturel. Well, and that is absolutely normal. Moi-même, si l'on me demandait de me souvenir d'événements qui remontent à plus de 30 ans, j'aurais beaucoup years ago, de difficultés. I would also have a lot of trouble. Et justement, and indeed, pour ce qui concerne mon client, M. Kieu-Sampan, client, Mr. je voudrais vous poser la I question très clairement. Est-ce que vous êtes certain à 100% are you qu'il était présent à cette réunion sure ou est-ce qu'il y a dans meeting, votre esprit la possibilité mind, d'un doute? Is it possible that you don't remember quite precisely? Mr. Kieu-Sampan was Monsieur present because he was the chairman of the state car il était presidium, du presidium, but I did not know the rank he held during that conference. I did not know what rank he came for, you know, during that je conference. Je connaissais simplement sa fonction lors de la conférence. Je voudrais revenir maintenant like à une expression sur laquelle vous avez été interrogé afin juste que vous précisiez so pour que les choses soient très claires. Il s'agit de l'expression and this is the expression
sept super traîtres seven de super traders, the seven Lone en janvier dernier, c'était entre 13h35 et 13h37 during the hearing of 11 January, journée was between de comparution. 1:35 and 1:37 in vous the aviez afternoon, été interrogé sur cette you expression, were questioned on this expression et sur la première fois and, où vous l'aviez entendu. And on the first time when you had heard this expression, et vous avez dit que c'était une expression qui était utilisée expression par beaucoup de monde, people, et ce, dès après le coup d'État de M. Lone Nol. Est-ce que vous confirmez so cette réponse you, que vous avez can donnée you en confirm, this? Do you stand by that answer you gave us in January? For this particular so-called super traitor, I do not know, and I super do not trait. Even recall whether or not I made je mention the seven super traitor. I do même not pas si j'en ai parlé, recall it now. Ces super traîtres, je ne m'en souviens pas. Je vais vous relire les quelques lignes qui concernent. You again the few lines in question. Cette expression. Donc c'est après 13h35, so this is after le 1:35 11 in the afternoon on January 11th. Et le procureur vous demande and the prosecutor is asking you, à propos de ceux qui travaillaient pour le régime de Lone Nol, est-ce que vous avez jamais entendu à cette époque-là, avant d'entrer à Phnom Penh, des communications par la radio ou d'autres moyens qui vous étaient donnés par des dirigeants du mouvement concernant ceux que l'on appelait les sept super traîtres du régime de Lone Nol? Avez-vous entendu parler des sept super traîtres du régime de Lone Nol? Et là, vous répondez la chose suivante, vous dites, je cite, « Oui, j'en ai entendu parler. » Après le coup d'État, j'en ai entendu parler, il y a eu la mise en place d'un front, surtout à la campagne. Les gens qui souffraient ont essayé de suivre la politique de front. Un peu plus loin, vous continuez, vous dites, cela remonte à bien longtemps. L'information a été répercutée d'une personne à l'autre. Mais j'ignore quelle était la source même de cette information. Tout le monde connaissait bien cette expression. Voilà ce que vous aviez dit en janvier. Vous vous en souvenez maintenant ? No, I did not say it, and I did not mention anything about the seven super traitors because I did not know them as to who they were. So I did not make any such statement. Que je n'ai pas dit ça. Voilà, monsieur, c'est quand même le transcrit de vos déclarations devant le tribunal. Je veux bien que vous l'ayez oublié, mais dire que vous n'avez pas dit cela, cela signifie que tout le tribunal s'est trompé, que les gens qui traduisent, les gens qui notent ce que vous avez dit à l'époque se sont trompés et ça paraît un peu gros. Est-ce que vous êtes aussi affirmatif? Est-ce que vous confirmez n'avoir jamais parlé de ça devant ce tribunal? No, I did not say this. I did not know who the seven super traitor was. This is to my knowledge and my understanding now. I did not say that. Je n'ai pas dit ça. Bien.
Well, fine. Nous en prenons note okay. également. I will take note of this. Et puis j'en viens à ma dernière question. Elle concerne une précision que vous avez donnée lorsque vous étiez entendu par les enquêteurs du tribunal. Lorsque vous donniez votre âge, le lieu d'habitation et l'activité qui est la vôtre aujourd'hui. Et vous avez précisé que vous étiez également président d'une association d'anciens combattants. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Can you tell us a little bit about this? What is this veterans organization? I can only clarify that this veteran association was not an association that members are paid. Actually, it was a gathering of veterans from different parts of the country, from the center level to the lower level. And I was only in charge of this association at the district level, sector level. Et les anciens combattants dont il s'agit sont d'anciens combattants révolutionnaires de la période from the Revolutionary Army? Qui occupent ce tribunal, c'est bien cela? Who fought in the period that we are dealing with here in this court? No, the veterans veterans from all parties including the government as well. There was, it was not confined to any faction, but it's a veteran of people from all factions. C'est une association d'anciens combattants de toutes parts. Je ne comprends pas votre réponse. I don't understand your answer, I'm sorry. Ça veut dire quoi de so what do you mean, veterans from all factions? Plus précis, s'il vous plaît. Could you please be more specific about this? In the military rank of the Royal Government of Cambodia, actually they came from different factions and then they rallied the government and they joined the one unified army. So the composition of these soldiers actually came from different factions and veterans who are now handicapped or some of them are already retired. Then they joined this veteran association. However, they were the veteran of the government. However, they came from different military factions. Gouvernementales, ils provenaient de différentes factions militaires. Oui, mais vous, yes, okay, après 1979, vous avez continué d'être militaire. Being a soldier. Yes, I have been a soldier up until 2002. I retired in 2002. J'ai pris ma retraite en 2002. Je vous remercie, monsieur le témoin, je comprends mieux. Thank you, witness. Now I understand better. I have no further questions, Mr. President. The President. Thank you, Counsel. Thank you, Witness, Mr. Chomsai. Your testimony has come to an end, and your presence at the extraordinary chambers in the courts of Cambodia is no longer needed. You are now released. You may go back to, home or to any direction you wish to go. And on behalf of the chamber, I would like to thank you very much for taking time
to provide testimony before the chamber, and we thank you very much for being patient. Thank you for endeavoring to respond to all the questions put to you by all the parties and the chamber. And your testimony will be contributing to us attaining the truth. And we wish you the best of luck and safe trip back home. Court officer is instructed to coordinate with the WESU unit to facilitate the transport of the witness back to his direction. And the time is now appropriate for the day adjournment. The chamber will adjourn now, and we will resume tomorrow on Tuesday, the 9th of April 2013, starting from 9 o'clock in the morning. And from tomorrow, the chamber will hear the testimony of TCW536. Security guards are now instructed to bring the co-accused back to the detention facility and have them back tomorrow before 9 o'clock in the morning. The court is now adjourned.